Ah, ce fameux chicha, il nous fait rêver. Alors, alors tout le monde s'est barré, en fait. Hein. Tout le monde n'a rien à branler de Brocéliande. Alors, je vais peut-être inviter Patard à nous rejoindre parce qu'elle l'a vu, alors que Dorian ne l'a même pas regardé. Est-ce que tu veux prendre la place de Dorian? De toute façon, il servait à rien en ce moment, à part à nous raconter des blagues et à nous tirer dessus avec un nerf. Mais c'est important de parler de Brocéliande. Brocéliande, oui. Je vais vous faire comme la dernière fois, je vais vous lire le plot qui est écrit sur Wikipédia. Hein. C'est très drôle sur cette musique. Ça devient magnifique. Chloé Séverin, c'est son vrai nom. Attendez, merde, je l'ai mis en anglais. Reviens en français, saloperie. Parce que. On va écouter la musique le temps que je le mette en français. Ça fait monter la sauce un peu. Nanana. C'est la musique de quoi déjà? C'est Inglourious Basterds, ça, il me semble. Ah, c'est Inglourious Basterds, effectivement. Chloé, une étudiante en histoire celte, découvre que la forêt de Brocéliande est un lieu propice à une certaine série de meurtres. Les fouilles auxquelles elle participe dans le cadre de son cursus se trouvent justement dans cette forêt et elle ne tarde pas à être la prochaine victime du tueur. C'est absolument pas ça. Moi je lis ce qui est écrit sur Wikipédia. N'oubliez pas que c'est un film de Doug Headline, donc il devrait savoir faire un pitch. Mais c'est ok. Non ça... Si, si, mais. Mais c'est ça, non? Alors, qu'est-ce que vous avez compris du film? On va refaire un petit tour comme ça. Alors, parmi ceux qui l'ont vu, Patard, toi tu l'as vu il y a pas longtemps, est-ce que tu penses pouvoir nous raconter un petit peu le film? Alors, je te vois pas, c'est pas. Je sais. Je te vois pas d'Orion depuis le début, ça fait très peur alors qu'il a un nerf à la main. Ouais. Il faut que je te résume ce que j'ai compris du film. C'est ça, si tu en es capable. Alors effectivement, donc c'est une jeune étudiante qui va dans la fac de Rennes pour suivre un cursus d'archéologie. Elle rencontre des amis et se fait un copain à une vitesse record. Le social, c'est compliqué. Voilà, c'est ah non, là le social, c'est pas compliqué. Ils se croisent, ils s'embrassent. Hein, c'est à peu près ça. C'est quasiment ça. Hein. C'est la fac de Rennes. Alors, en même temps, alors que c'est pas du tout tourné à Rennes. Hein. Non, hélas. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, elle voit un gars se faire zigouiller dans un parc la nuit alors qu'elle est bourrée. Elle appelle les flics. Hein. Oui, elle appelle les flics la croient pas. Elle est bourrée. Et donc, du coup, elle est un peu plus ou moins livrée à elle-même pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce meurtre dont on ne sait pas grand-chose au final. Et au fur et à mesure de l'intrigue, elle découvre petit à petit qu'il y a... Alors je sais plus ce que c'est quoi? C'est un dieu soldat druide? C'est ça. Et donc... Qui doit ramener en fait l'ère des druides sur Terre. Voilà. Et... Parce qu'il est un super donc, guerrier. Il doit être invoqué en réunissant une pierre magique et des serpes, non c'est pas ça? Alors il y a une pierre magique, deux serpes et trois têtes coupées. Ah oui c'est vrai. Non c'est très précis. Et sûrement d'autres trucs. Mais il ne doit pas y avoir un sacrifice aussi? Oui, voilà, si, c'est les trois têtes coupées. Mais c'est en fait pas un truc spécifique, il faut pas qu'elle soit vierge ou un truc comme ça. Non, je crois pas, c'est pas précis. Elle est pas vierge. Ah bah non, elle est pas vierge. C'est Alice Taglioni. Tu dis ça avec un ton, mais genre. Non, parce que tu la vois se battre dans le film. Quoi? Ah oui, il y a des scènes de combat. Donc elle est pas vierge. Ah bah ouais. Non, parce qu'elle a 27 ans, quoi, tu vois. C'est Alice Taglioni quand même qui joue le personnage qui se fait tuer. Il y a des gens vierges à 27 ans. Oui. Ah, c'est pas mon cas, je dis pas ça. T'as pas 27 ans? Ouais, déjà. Donc voilà, ça compte pas. Ça compte pas. Non, parce qu'il y a quand même une grande actrice dans le film. Oui, hein. Actrice et mannequin, et je pense qu'ils l'ont plutôt choisi pour le côté mannequin. Ah, Elsa Kikoïn, tu parles. Hein. L'héroïne. Non, mais même Alice Taglioni, je crois qu'elle est mannequin à la base, non? Ça fait un peu pâte, je trouve. Taglioni. Ouais, exactement. Ah, les petites blagues. Raciste. Et bon, voilà. Tu peux le dire, hein. Non. Plus raciste que sexiste pour les coups. Ah, putain. On a des musiques vraiment très bien. Et donc, ah oui, je dois continuer alors? Oui. Bah vas-y. Bon bah alors du coup, je Attends, raconte tu l'as vu mercredi. Ouais non mais je raconte le plot twist et tout. Ah ouais, de toute façon on va tout raconter, on spoil le film. D'accord, donc en fait on va pas quand même imposer aux gens de le regarder. Il y a prescription. Donc effectivement, pendant tout le film, elle se fait plus ou moins courser par l'espèce de truc moche là. Et donc en fait il s'avère que c'est son copain qu'elle a rencontré au bout de 5 minutes qui est en fait le commanditaire, on va dire entre guillemets, de la cérémonie et qui va faire en sorte de rendre à la vie ce soldat dieu druide ou je sais pas quoi. Et il va se baigner dans la marmite où il y a donc du coup l'espèce de potion magique avec les têtes coupées. Et il va devenir ce le dit dieu druide soldat là.
Et donc, t'as toute la deuxième partie du film, donc c'est à peu près 40 minutes. C'est quasiment 40 minutes. De course-poursuite dans une grotte entre les étudiants. Leur professeur. Un professeur qui s'est retrouvé là un peu au pif. Et donc, le méchant monstre qui les course et qui les tue un par un. Et donc, après, c'est. Alors, il y a une amie à elle, plus le. Comment elle s'appelle déjà là ? Chloé, c'est ça ? Chloé, ouais. Le personnage principal, Chloé, ouais. Plus une amie à elle, plus un prof, qui s'en sortent vivants. Une amie à elle Ouais, enfin, oui, mais non, mais de toute façon, les relations sociales, elles sont débiles dans le film, je suis d'accord. Voilà, donc on va dire amie parce que j'ai pas d'autres mots pour qualifier. La non-existence de leur relation. Et donc, bah voilà, ils s'en sortent tous les trois. Voilà, je sais pas comment terminer ça. Je fais marrer pour les personnages parce que je regarde le cast du film et effectivement il y a des gens qui sont crédités avec des trucs assez fous, genre l'universitaire irlandais ou le flic silencieux. Alors, on a remarqué aussi des pseudos, je pense, dans les crédits. Bah déjà Doug Headline, c'est oui, un c'est pseudo. Vrai. Mais je vais vous lire quand même ce qu'il a dit sur le film. J'ai réalisé un court-métrage en 99, puis rencontré un producteur sympathique qui cherchait un film d'épouvante à petit budget pour les jeunes. Ça commence bien, hein. Après m'être vu refuser plusieurs sujets, puis un premier script complet jugé trop sophistiqué, je me suis dit que si je voulais tourner, il fallait se plier à la commande. Alors, avec mon co-scénariste Benoît Lestang, nous avons revu les objectifs artistiques à la baisse en fonction des souhaits du producteur et du distributeur, et en 2002, cela a donné le film Brocéliande. C'est un peu triste, c'est l'histoire d'un drame presque. Bah, il aurait mieux fait de faire un film sur comment il aurait pas dû faire ce film. Exactement, un Lost in La Mancha. Lost in La Mancha de Brocéliande aurait été mieux, parce que nous on était super enthousiastes à Fougères, quoi, enfin un film fantastique et qui se passe en Bretagne, on avait tout ce qu'il nous fallait pour nous faire rêver, quoi. Non, moi je suis hyper déçu, je m'attendais à un film d'époque médiéval avec des vrais druides et tout, pas un épisode thriller. Moi, le truc qui m'a vraiment gêné, c'est quand Merlin se bat dans la forêt contre mais pas Merlin. Bah après je sais pas, j'ai pas vu le film. Non mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas en du fait, tout le film de cadre est complètement historique. Contemporain quoi. Ouais. Voilà. Ils font des fouilles archéologiques et tout le film est complètement incohérent. Les personnages sont insipides au possible, ils sont insupportables, ils jouent mal. Les scènes de baston. Est-ce que Sylvain, tu veux nous parler des scènes de baston de Brocéliande? Elles sont quand même toi qui fais de la baston. Professeur Kung Fu. Professeur Kung Fu, intervenez sur les scènes de baston de Brocéliande. C'est pas vrai, il fait de la gym, il faut arrêter avec ce truc. Il fait de la GRS. Quand tu veux, Jordan, ok, quand tu veux. On y va là. Bah y'a rien quoi, y a pas la chorégraphie elle a dû être répétée une fois puis basta quoi, tu sens qu'il y a des coups sont pas donnés, les quatre sont ah oui, il y a la garde où tu mets le poing derrière la tête. Oui parce voilà. Que, parce qu'au début tu vois ils font de la lutte. Oui elles font de la lutte, la lutte bretonne. Ouais peut-être, non c'est pas du Gouret, non c'est de la... Ça manque de fesnos le film, c'est dommage. Et du coup ouais non c'est bidon. On n'a pas parlé de la pas musique, la, lutte, Sophie, la musique elle est omniprésente, du début à la fin où il y a la musique un petit peu lourde à l'américaine en plus, genre du côté de Scream ou des... Ah c'est quoi ce titre, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais en gros c'est vraiment dans cette ambiance de slasher movie où t'as toujours la musique qui souligne tout l'été dernier. Sauf qu'il se passe rien, souviens-toi l'été dernier, exactement. Donc elle souligne tout sauf que le film il se passe rien. Donc elle souligne des trucs nuls et c'est insupportable. Tu veux dire quelque chose? Alors oui, du coup le temps que j'arrive à en placer une, parce que le temps que je prenne le micro tout ça. En fait je voulais juste reprendre Jordan en disant que Sylvain il fait pas de la gym, il fait du wushu. Et c'est très différent. Ça veut dire wushu. Gym en chinois je crois. Je suis tombé sur la page LinkedIn du compositeur. Ah, je sais pas sur quoi on, dans quoi on se lance. Mais... Alors Sari Lang, c'est par la guitare que Sari Lang découvre à l'adolescence la musique à travers le rock et le blues, mais sa passion dévorante pour le cinéma lui donne très envie de composer pour celui-ci. Autodidacte, il a écrit la musique de plusieurs courts-métrages vers la fin des années 90. Les années 2000 lui permettent de collaborer à divers projets, tels que le documentaire « Les entrailles de la bête » de Pascal Laugier, consacré au tournage du Pacte des loups de Christophe Gans. Oh la vache, il était déjà là-dessus. Ouais. Il compose ensuite pour le cinéma avec le long-métrage « Brocéliande » de Doug Headline, et Corps à corps de François Hans et Arthur-Emmanuel Pierre, prix de la critique internationale Cognac 2003. Film c'est pour... que c'est des mecs bourrés qui regardent des films. Mais non, c'est la ville. Ah. Film pour lequel il reçoit une sélection aux Victoires de la Musique, catégorie meilleure bande originale. Ah oui, quand même. Une Victoire de la Musique. Hein. Ouais. Il retrouve François Hans pour le film de promotion des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel Ombre et Lumière, prix spécial SCAM meilleur documentaire, sur le documentaire fiction La Séparation consacré au centenaire de la loi de 1905.
passe également derrière la caméra pour réaliser le film court Zoom In destiné à promouvoir le format HD, dont il compose également la musique. Le film remporte le premier prix dans la catégorie Pub Clip Corporate au HD Film Festival. Pub Clip Corporate, ouais, y a des putain stages. La catégorie quoi. Il compose également pour divers programmes courts tels que La Lettre, Le Message, Ai Yakitori ou la publicité pour le film interactif Peugeot RCZ Test Driver. En dehors de travaux de commande, il compose également pour des projets personnels tels que l'album de guitare Coffee and Cigarettes et sur deux pièces orchestrales, Valhalla Symphony, basée sur la mythologie nordique, et Cosmophonie, nourrie de sa passion pour l'astronomie et la cosmologie. Tu as trouvé ta chronique du mois prochain, mais... ouais, non, mais j'ai tu pas envie de me taper la discographie. Des compositeurs un peu spé. Alors, Rufio, toi, tu l'as vu un petit peu? Alors, je l'ai plus entendu que vu. En fait, j'ai surtout vu les scènes de bagarre finale à la fin. avec le monstre druide... soldat. Barbare soldat, oui. C'est ça. Multi classé. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très bien, voilà, je crois qu'il est rentré dans mon top 5 des meilleurs films de la vie. Alors, il a des notes assez catastrophiques, hein, forcément, je crois que je voyais ça tout à l'heure. Il est 13e dans la liste des pires films de tous les temps sur Allociné, avec une note de 1,1 sur 5 par les spectateurs. C'est rude. C'est rude. C'est rude parce qu'Allociné, souvent, ils sont gentils. Ah, sur Allociné. Il y a ouais, juste à voir les notes d'Aladin pour comprendre que le truc est un peu biaisé. Ouais, Allociné, ouais. Non, moi, je trouve que le bon site pour ça, c'est Sens Critique. Quand on commence ouais, alors, à y voir Critique, beaucoup il, se fait, de... il ouais. se fait défoncer aussi, le film. Oui, bien sûr. Non, mais j'en doute pas. Mais s'il commence à y avoir beaucoup de notes sur Sens Critique, je trouve ça un peu plus... je vais regarder. Un peu plus parlant. Hein. C'est le découpage du film qui m'a vraiment intrigué parce mal monté, que... C'est vrai qu'il y en a deux. Effectivement, oui. Voilà, c'est ça. C'est ce que me disait Ronan au moment où on le regardait. Et surtout, bah ouais, justement, le fait qu'il y ait une espèce de coupure en plein milieu, t'as l'impression que la première partie, en fait, le mec il s'est dit ah merde, j'ai terminé mon film, il reste encore 40 minutes à faire. Bon bah, je vais faire une course-poursuite dans une grotte quoi. Faut que je rajoute un monstre. Ouais, voilà, non, mais enfin, on dirait qu'il avait vraiment tout dit au milieu du film et qu'il s'est dit merde, je dois meubler. Donc voilà, donc c'était. Et aussi, Bon, après, je suis pas réalisatrice, je suis pas du tout experte en cinéma, donc j'ai pas trop de solutions, enfin, de choses à proposer, mais j'ai trouvé, ouais, comment dire ça La foi. Non L'univers. Non, le fait de. Les relations sociales qui sont représentées dans le film et comment elles sont amenées, je trouve ça. Beau. Non, mais bah justement. Raté. Non, oui, voilà, c'est pas bien fait, quoi. C'est au bout de 20 minutes, ils se connaissent, ils sont copains comme cochons. Les gars, tu les connais même pas, tu connais à peine leur nom. Ils sont est-ce complètement anecdotiques. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de jalousie de ta part derrière tout ça? Je veux dire, dans quel que, sens bah, est-ce que toi aussi, t'aimerais pas rencontrer les des gens pas, super copains pas. En 20 minutes avec oui, c'est vrai. Rencontrer des druides guerriers. C'est ça. Barbares. Irlandais. Mais c'est surtout que déjà, il y a trois acteurs qui se ressemblent à mort, je trouve. Donc pour les différencier, c'est assez compliqué. Bah, c'est surtout pour la qualité de l'image. Genre bretons, des bretons, c'est des bretons, clairement. Ils sont blancs. Bah, ils sont bretons. C'est vrai qu'on manque beaucoup de minorités ethniques hein, dans le film. Hein. Ils sont tous blancs. Et même les professeurs, t'as le profil du professeur vieux, oui, barbu, grisonnant. Et du coup, j'ai eu du mal à capter qui était qui dans les profs, lequel se faisait tuer et lequel était encore là, quoi. Enfin, après, je suis pas très douée, mais... Non, mais tout le monde a trouvé ça compliqué. Hein. Et que vous pouvez nous parce donner le nom de tous les profs... D'habitude, je suis assez physionomiste, mais là, déjà, avec la qualité de l'image YouTube, c'était pas ça. Et alors, oui, parce que le film est disponible sur YouTube, comme d'habitude. Vous pouvez aller le regarder en entier. On n'a pas tenté d'activer les sous-titres russes, si jamais c'était disponible. Peut-être que ça va vous donner un film encore aussi intéressant que la dernière fois. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Moi, je veux juste reprendre parce que pour les gens qui connaissent pas Dorian, sa dernière phrase peut sembler, à mon avis, il y a besoin de décrypter. C'est quand il dit en même temps ça se passe en Bretagne, ça veut pas dire oui, c'est normal que tout le monde soit blanc et machin, ça veut juste dire. Dans sa tête, non mais c'est un bled de consanguin. La Bretagne est un grand village de consanguin. Bah moi, ce matin, j'étais manger une banane et un pain au chocolat dans le parc, et puis j'ai vu que dans la poubelle, il y avait une bouteille de Haribo, et je me suis dit, oh, trop bien, on est en Bretagne. Non, il faut savoir qu'effectivement, je crois que c'est toujours le cas, mais la Bretagne est un coin en France où il y a le moins de brassage génétique, c'est pour ça qu'ils ont plein de problèmes articulaires, osseux, ah oui, dentaires, c'est tout pourri génétiquement. Tu dis ça, tu passes ton temps à te casser la gueule, c'est marrant. Bah tu sais, il est pas si loin que ça, Nantes, c'est un peu la Bretagne. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous? Arnaud, Ronny, même si vous êtes loin, est-ce que vous avez vu le film? Le monstre est bien Ronny, fait. Ronny, tu l'as pas vu, mais Arnaud, tu l'as vu, t'as ça aimé. A été, ça m'a mis en colère.
En vrai, j'étais vénère après le film parce que c'est chiant et les films de merde, c'est très long et Brocéliande, c'est encore plus long. Il est pas long pourtant, le film fait une heure et demie. Hein. Oui, mais t'as l'impression qu'il fait à peu près 15-16 jours en fait, tu vois, c'est très très long. Et je voulais revenir aussi, ouais, peut-être sur les scènes de baston qui sont, ouais, au-delà d'être mal chorégraphiées, sont atrocement molles. Bien sûr. Oui. Et on dirait qu'ils sont dans leur salle de gym et qu'ils c'est mal truc, filmé. C'est ouais, voilà. Puis en plus de ça, c'est mal filmé, c'est mal écrit, c'est mal foutu. Ça veut rien dire. Ah, ça non, raconte que dalle. Ouais, ça a aucun sens. Le scénario, il va partout et puis il va nulle part à la fois. Franchement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils arrivent à Brocéliande à la fin là, et il y a un mec qui s'est quand même fait chier à allumer 800 lampes. C'est 800 petites torches pour bien indiquer la route. Et il y a le mec qui sert à rien qui dit, je crois que c'est par là. Ouais, y a le... Quand tu l'appelais Captain Obvious en français, Jean-Michel. Jean-Michel Perspicace. Jean-Michel Perspicace, voilà, c'est ça. Qui, tout le temps, ses seules phrases, c'est de sortir un truc qui ne sert à rien. Et heureusement, il se fait tirer dessus. Comme Tenshinhan dans Dragon Ball. Pardon. Je voulais rebondir sur ce que disait Arnaud sur justement le fait qu'on apprenne rien et qu'on comprenne rien. Effectivement, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que le pitch du film, il peut s'appliquer à n'importe quel contexte. Brocéliande et tout ça, c'est un prétexte nul et on n'y apprend rien et il n'y a pas de... On n'apprend rien sur Brocéliande. On n'apprend rien sur Brocéliande, on n'apprend rien sur la mythologie celtique. Il n'y a pas de fées, il n'y a rien, il n'y a pas Merlin. Donc ça pourrait s'appliquer à n'importe quel autre contexte. On aurait pu appliquer ça au truc d'Egypte, ça aurait été exactement la même chose. Et là, t'as la momie, quoi. Faut regarder God of Egypt. Non, mais faut pas regarder God of Egypt. Et Brocéliande. Par contre, si vous voulez un film qui... Il s'est fait un peu défoncer, mais je trouve que c'est un peu à tort. Qui se passe en Bretagne avec, qui reprend un peu des délires de mythes et légendes breton. Regardez Livid, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pour de la série B, c'est un peu, c'est assez intéressant, je trouve. Dans le même délire, c'est ça en réussi. C'est un film que j'ai le truc sous les yeux là. C'est un film de Julien Maury et Alexandre Bustillo, avec la magnifique Béatrice Dalle. Tu avais quelque chose à dire ? Oui, moi je voulais juste te dire, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Oui. Et rien que la bande-annonce, j'ai eu envie de mourir trois fois, de m'arracher les yeux, et j'étais un peu en colère. Il y a un point que je dirais positif, c'est un film relativement féministe, où les nanas sont les héros et elles sauvent des mecs. C'est pas mal. Et c'est eux qui se prennent des balles, qui sont en détresse, et c'est elles qui vont les aider. Et en fait, non, ils meurent. Mais du coup, ça me fait un peu rire parce que tout ce que vous dites du film... Arnaud, t'as encore un truc à dire ? Non, mais tout ce que vous dites du film, moi, ça me fait rire parce que rien qu'en regardant la bande-annonce, j'étais comme ça devant, du coup, je sais pas comment vous avez fait pour voir le film en entier. Moi, j'ai vu deux fois. Oh, putain. Moi, j'ai pas de limite. Hein. Moi, j'arrive pas à croire qu'il dure qu'une heure et demie. Non, moi, je voulais juste... Le monstre est bien fait, moi, je trouve. Je trouvais ça un peu dommage qu'il se passait dans Brocéliande. Sinon, t'as entendu la première fois. Mais oui, mais non, parce que tout le monde parle. Vas-y, non mais je trouvais ça dommage parce que bah, moi je suis extérieur à la Bretagne et quelque part je suis là. Bah ferme ta gueule. Et là t'y connais rien, tu parles pas et... T'auras non, pas de galette saucisse. Le truc c'est que moi justement dans ma tête je me disais qu'un trip comme ça, un film fantastique, un peu thriller sur des délires druidiques avec de la mythologie bretonne, celte, ça peut être cool quelque part, ça a du potentiel. Dans Brocéliande il s'essuie les pieds avec ça. Toi tu voulais voir ça pour te renseigner sur notre culture. Bah pas forcément pour me renseigner sur votre culture mais notre mythologie. Sur la mythologie. Non mais juste ça pouvait être un truc intéressant qui... Et avec des mecs à poil dans la forêt parce que ça plaît beaucoup à Ronnie et qui sort un peu de l'ordinaire quoi. Et bah, ne serait-ce qu'avoir une ambiance quoi. Ouais, voilà, une ambiance un peu atypique qui change de d'habitude, de l'éternel si truc cliché, de sorcière dans les bois au state ou de possession à la con. Oui. Là, le trip druidique ça pouvait être quelque chose. Ça pouvait être suffisamment porteur pour nous faire un film correct. Ouais, voilà, et ça l'est pas alors que c'était pas, je pense, trop difficile à faire quoi, dans l'absolu. Bah, je suis complètement d'accord et on va s'arrêter là pour Brocéliande. Allez, le pas. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Alors, t'as toujours pas vu le film, mais vas-y. Non, c'est juste sur le chat, il y a ce cher Mortis Ghost qui signale que si on veut en apprendre plus sur l'histoire de Merlin, il y a une mini-série de téléfilms avec Gérard Jugnot. Ouais, ah. Il faut absolument que je vois ça. S'il y a Gérard Jugnot, c'est forcément bien. Ça.